Yahoo Dibancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler de l'anime Another. Donc Another est une série, un animé en 12 épisodes de 25 minutes, tout ce qui est un peu classique. Nous sommes sur une œuvre qui date de 2012 au Japon, et à savoir que j'avais regardé ça à l'époque, et j'étais bien trop jeune pour ça. Je crois que j'ai peut-être pas regardé vraiment 2012, mais j'ai dû le regarder au tout début de ma chaîne YouTube. Alors, est-ce que c'était la chaîne YouTube Ibi World ou Ibi Otaku? J'en sais rien, parce qu'il y a quand même un an d'écart. Mais je sais que j'étais trop jeune pour ça. Voilà. Nous sommes donc dans le genre horreur, épouvante, mystère, psychologie, school life, seinen, surnaturel, école, malédiction, mort et survival game. Nous sommes sur un animé âge conseillé aux 16 ans et plus. Voilà. Et donc maintenant, il est disponible sur Netflix, où il a été licencié en DVD par Dibex. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire de plus. Il existe donc en DVD. Et aussi, il existe en manga de 4 volumes, si je dis pas de bêtises. J'ai jamais lu le manga. Donc, c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Je te mets toutes les autres informations à côté de moi. Je pense que tu auras vu depuis tout à l'heure. Et on va attaquer tout de suite. Another, un animé que j'ai regardé donc il y a très très longtemps. Alors, est-ce que c'était vraiment en 2012? Je ne suis pas trop sûre, mais j'ai dû le regarder la première fois avant de commencer ma chaîne YouTube. Et donc, forcément, j'étais pas prêt pour ça. Et j'étais pas prêt mentalement non plus. Parce que, très clairement, je ne suis pas sûre que j'avais lu les informations avant de commencer l'animé. Et j'aurais dû. Donc, en ce qui concerne l'animé, je ne vais pas trop te faire un résumé, je te mettrai le vrai résumé dans la barre d'infos, mais en fait, on est sur une école où la classe 3-3 est maudite s'il y a certaines conditions qui sont pas respectées. Et sauf que les élèves ne savent pas réellement tout l'envers du décor, comment arrêter par exemple cette malédiction, comment faire pour éviter qu'elle se fasse, et il y a des fois des petits détails, des petits changements qui peuvent faire que la malédiction s'active ou pas à chaque année. À chaque année, quand la malédiction s'active, ça peut être soit les élèves, les professeurs qui font forcément partie de la classe, ou les membres de la famille. Donc ça peut être tes parents, tes grands-parents, tes grands-parents et ta frère et sœur, tout ça. Tu vois, la famille officielle, quoi, l'arbre généalogique, on va dire. Pas les cousins de la branche d'à côté ou quoi que ce soit. Ce qui est dommage, ça aurait pu être intéressant de faire disparaître certains membres de ma famille. Mais bon, toujours est-il, donc voilà ce qui se passe dans cette école. Et malheureusement, en fait, un élève arrive au mois de mai dans la classe et c'est là que tout commence. Et on va suivre donc les aventures de ces élèves, essayer de résoudre cette malédiction, parce qu'il y a peut-être une façon de l'arrêter. Ils essayent tout au long de l'année, en tout cas d'essayer de l'arrêter, jusqu'au drame bien entendu. A savoir que nous sommes sur des morts très dégueux. On ne voit pas d'organes sortir, on voit juste des sangs qui jaillissent, on a des morts un petit peu dégueulasses. Je vais juste t'en dire une pour que tu puisses visualiser toi-même, mais je ne mettrai aucune image. Je te laisse imaginer une jeune fille qui a un parapluie, tu sais, les parapluies avec une pointe au bout. Depuis, j'ai jamais acheté de parapluie de ce genre-là. Je peux te dire que j'ai une phobie de ces parapluies maintenant. Et en fait, elle va glisser dans l'escalier, le parapluie va tomber plus rapidement qu'elle, et elle va se prendre la pointe. Voilà, ça ressort de l'autre côté, tu vois un petit peu la pointe et le sang qui... Voilà. Je dis que celle-là, c'est la première, je crois bien, et c'est tout. Mais c'est pour te donner une idée de à quel point ça peut être dégueulasse. Donc voilà, on est sur ce genre d'histoire et donc on voit tout simplement au fur et à mesure des épisodes les élèves essayer de résoudre la malédiction en même temps qu'ils perdent pas mal de membres de leur école, de leur classe, des élèves qui fuient même peut-être éventuellement l'école, va savoir. Ne plus revenir à l'école, ça peut peut-être éventuellement te sauver, déménager, je suis pas sûre. Peut-être que ça peut sauver tout ça, si on faisait ce genre de choses. Bref, toujours est-il, un manga plutôt sympa, assez angoissant et stressant. Personnellement, la première fois, j'avais vraiment flippé ma race comme pas possible. Depuis, de toute façon, je ne suis même plus capable de toucher un parapluie qui a une pointe au bout. Ça m'a traumatisée, je te le dis. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié de re-regarder cet animé, même si je me rappelais à peu près de tout ce qui se passait dans chaque épisode. Tu me connais, j'ai une mémoire un peu trop...
poussée, donc je me rappelle de tous les détails. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa et toujours très intéressant d'avoir une deuxième vision un peu plus vieux, un peu plus adulte sur l'anime en question. Personnellement, je te le conseille du coup, si tu aimes bien flipper un petit peu comme ça, et ce genre de situation où tu ne sais pas qui va mourir et quand et comment et pourquoi, et que, je vais pas dire qu'il y a un mort à tous les épisodes, mais presque, mais tu te dis, en fait, à chaque épisode, tu te dis, bon, qui va mourir cette fois-ci, en fait, là, c'est qui? Et qui, quelles conditions, tu... Dès qu'un personnage fait un truc, t'es en mode panique, tu l'as, il va mourir. Tu sais, c'est comme si tu te plongeais les ongles, il va mourir. C'est lequel? C'est lequel qui va mourir aujourd'hui? Putain, j'ai peur. Voilà, bref, toujours est-il. En tout cas, j'ai adoré. Est-ce que je le re-regarderai? Je ne pense pas, parce que maintenant, très clairement, je connais l'histoire bien par cœur. Mais je trouve vraiment sympa, et il est parfait pour Halloween. Donc c'est pour ça aussi que je voulais le présenter ce mois-ci, pour le présenter dans la collection Halloween. Vu que c'est un hurlement dans les bois slash mini bandson quand même. Donc cette petite vidéo animée est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire quel est toi l'animé pour Halloween que tu préfères. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets ma précédente vidéo animée ici. Et là, la playlist du coup Halloween. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte Vinted. Et dans la barre d'infos, le résumé officiel des codes promo et aussi mes autres réseaux sociaux. Sur ce, à plus !